Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 35e épisode. 35 quand même, j'aurais jamais cru que j'irais aussi loin. On est en 1247, on n'a même pas joué 200 ans, vous êtes toujours là. C'est beau, merci déjà pour commencer. Grand merci à tous. Et puis bah, écoutez, bah moi je continue, hein. J'ai pas envie de m'arrêter de toute façon. Donc, eh ben, on verra bien jusqu'où ça nous mène. Donc, entre les épisodes, j'ai essayé de regarder un petit peu une petite solution pour... En fait, il faudrait qu'on ait pas d'autres enfants. Non, pas toi. Cet enfant-là, en fait, il faudrait pas qu'il hérite. Qu'on ait pas d'autres fils. Si on hérite d'elle, bah c'est banco quoi. Parce que du coup, si eux deux se maintiennent et qu'ils font des enfants matrilinéaires, bah c'est banco, hein. On récupère tout. Hein. On va voir ce que ça donne. On va récupérer le tutorat de notre fils, si on peut. Voilà. Comme ça, on va voir ce qu'on peut en faire. Et sinon, on continue. Alors, gardien des signes. Gardien des signes. La duchesse. Voilà. Et en commandant, on va prendre... Oh, le duc. Allez hop. Pourquoi pas. Ah, les coutumes religieuses. Ouais, non. Ça ne m'intéresse pas. Et la fameuse princesse Yolanda. Alors, qui a 12 ans. Elle est pas mal en intrigue. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Bah, l'intrigue. On va aller faire l'intrigue. Allez, y a pas de raison. Les paysans, blablabla. Bla bla. Allez, on augmente ça. Désolé pour mon zoom, je voulais pas zoomer autant. Mais... J'étais un peu trop fort sur ma molette. On a une belle épidémie hein, de la consomption. Lui a 9 ans, son héritier en a 14. Lui était suivant en a 14, pardon. Enfin son héritier du coup, oui. Enfin l'héritier. Et notre fille en a 12. Donc il faut qu'on attende que tout ce petit monde là 12 ans, lui il en a 9, donc il nous restera 3 ans pour l'assassiner. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'aurais dû le faire entre deux épisodes d'ailleurs, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé où en sont mes duchés, si tout est bien propre ou pas. Le duc se prétend que l'évêque tente actuellement de promouvoir ses vives hérésies. En attendant. Bon, on va le garder pour nous, on va être sympa. Je devrais pas, mais... C'est pas grave. Je regarde ça en même temps, le temps que le temps passe, donc ça oui. La duchesse de Somerset. Elle récupérait tout le comté de Gloucester, ouais. Oh, allez, c'est vraiment pas beau. Là. Demandez le partage salique, tiens. Est-ce qu'elle va accepter? C'est fait.
pense que ça n'a pas changé grand chose. Hein. Je regarde dans ce que le pays abrite un traître, cette œuf pourrie complote. Croquez votre chute, commentez-moi la preuve que je joins à cette lettre. C'est le duc de Lancastre. C'est mon maître espion. Ah. Preuve, c'est insensé. Il semble fâche devant attendre le prétendu comploteur. On va voir ce qu'il dit. Laisser une chance de s'exprimer quand même. Bah si, il s'exprime. Qui a 6 ans... Bah la religion. Hop là. Dans son dur, elle est devenue de plus en plus faible et je viens d'apprendre que son affliction est en fait la consomption. Hop là. Ralliement terrestre. Ah, c'est les passages, c'est ça? Ah ouais, d'accord. J'ai jamais fait gaffe à ça. Mauvais traitement. Aïe, aïe, aïe. Enfin, ça peut être une bonne chose aussi, parce qu'au moins, on ne fera plus d'enfants. Hein. Mais bon... Ah, les deux, ils ont l'air de bien s'apprécier puisque maintenant il me dit que c'est l'autre. Ouais, ils sont rivaux en même temps. Hein. Dommage qu'on puisse pas faire demander un duel entre les deux. Ce serait très drôle. Il se cache. Ceci semble loufoque. On va laisser faire les deux. Hein. Ils se démerdent entre eux. Ils mettent fin au complot, non. J'en ai un peu rien à foutre de ce complot là. Forgeron, non, ça il m'intéresse pas. Gagner une foire d'été, c'est vrai que je l'ai quasiment jamais fait, mais bon. Écrire un livre. Oh là là, encore enceinte. Merde. Si c'est un autre fils, on est mal. Si c'est un autre fils, on est mal. On va la laisser faire. Ouais, elle se cache, elle est donc en régence. Ouais. Oups. Ça pourrait devenir un peu plus compliqué notre histoire. Vraiment compliqué notre histoire. On pourrait demander un divorce. On ne coûterait pas tant que ça en prestige. Ah, ça me fait chier de faire ça. Là, je te garde le monde de croisée. Ouais, je pense pas que ça changerait grand chose. Hein. L'enfant sera quand même 2 mois, donc on va pas faire ça. On verra bien. On verra bien. Un peu morose. On va dire, je suis sûr que ça va aller. On va pas non plus encourager sa rémission, mais on va pas non plus la pousser. Elle est dépressive, elle a la consomption. Le duc de Haute-Bretagne a été arrêté. Et bah écoutez, décidément en ce moment, il tombe comme des mouches, mes maîtres espions. Le comte du Maine.
On va le laisser intriguer à la cour. Elle est bien costaud hein, pour survivre à ça. Et voilà. Et voilà, et voilà. On a un deuxième fils. Là, ça complique vraiment les choses. Bah, notre femme est devenue incapable. Assez, bien qu'elle ait elle en sort affaiblie. Peut-elle encore engendrer? Bah, je sais pas si elle peut encore engendrer, devenue frêle. Par contre, ouais, on a maintenant deux enfants, quoi. Donc là, ça va se compliquer. Se débarrasser d'un, c'est pas facile. Alors de deux. Ça va être assez difficile. Bon, on va bien voir. Bon, j'essaye de voir ce qui peut se passer. Oh, la grenouille. Bon, il m'apprécie pas trop. Ben voilà, notre femme est morte de la consomption. Bon, ça aurait été un beau mariage néanmoins. Ah, et puis notre fils est passé duc. Bah oui. Exact. Exact, il était héritier, effectivement. Il était héritier. Je pense toujours à la duchesse Lertan. C'est la mère des épouses sans elle, mais difficile d'être un roi. Oh, elle me manque tant. Devenir dépressif et célibataire. Courir la gueuse, on peut devenir incapable ou luxure. Non, non, on va prendre la dépression. Ouais, là, ça va devenir un peu plus compliqué, hein. Ou alors, il faudrait que notre bon roi se suicide. En se suicidant, on deviendrait le prince Roland. On va attendre un petit peu encore. On finira peut-être par faire un suicide sur ce personnage. Comme ça, on pourra jouer l'autre personnage, prendre des risques, essayer de mourir peut-être. Il faudrait que son frère meure aussi. Et à la fin récupérer, jouer le personnage de la duchesse. On va voir ce qui est possible de faire. On est non marié, on va rester non marié de toute façon. Le chancelier, on va prendre lui. Habilité, c'est très bien. On reste comme ça pour le moment. D'accord, j'apprends que le duc est venu à Caen et a demandé audience pour me rendre hommage comme c'est la tradition pour un vassal nouvellement nommé. Ah bon, je savais pas. On lui accorde audience, on n'a pas le temps. On va lui accorder audience. Ce n'est pas facile de subir la vue, même pour un moment aussi court que le temps qu'il faut pour rester son serment de vassalité. Ça fait un moment que je n'avais pas vu un homme si repoussant. Inélégant, entêté. C'est vrai qu'il n'est pas beau. Hein. Pour le coup, est-ce ainsi que vous vous présentez à votre roi ? Demandant de se soumettre par honte. C'est un breton, oh, c'est tentant de faire ça. Reconnaître sérieusement le serment respectant les usages dictés par son votre rang. Ouais, en plus, comme on est dépressif,
ça l'a agacé. Je trouve ça assez drôle, le personnage il est... En plus notre personnage est un peu triste, il est un peu devenu dépressif. Je trouve ça plutôt marrant, ouais. Ah, voilà le fameux Alain d'Auvergne. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que notre fille... Berengaria qui elle aussi est lente du coup, comme nous. Hop. Ouais, c'est très bien. Oh, 80%, ça s'est bien réduit le complot, hein. Aïe, aïe, aïe. Hop, 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 ouais, là, faut faire attention. À vouloir trop attendre, on peut finir par tout perdre. Hop, le bourgmestre de Sully. Aucune idée de savoir où se trouve Sully entre nous, m'excusez, mais... Non, c'est pas ça. Attendez, c'est pas ça que je veux faire. On va prendre le personnage. Voilà, où se trouve la cité de Sully. Elle est là. On a quand même du monde, hein. On a quand même du monde. Ah bah on est plus dépressif. Bah merde. Il est plus dépressif. Ouais, encore quelqu'un qui veut des titres. On peut tous les dégager de toute façon. Variole arrive. Là. Sa femme est une infidèle. Ma jumelle. Bon alors là mon gars tu vas te calmer, hein. J'ai réussi à semer la discorde. Il y a de la discorde mais c'est pas la bonne. La cité de Sully, mais bon, continue, tu y arriveras peut-être. L'évêque a parlé à tout le monde de mon complot. Ah bah voilà. En torset, je m'en fous. Voilà. Je lui ai acheté une faveur, mais... devenir humble. Ouais, voilà, on va devenir humble. Est-ce qu'en lui achetant une faveur, ça changera quelque chose? Je crois pas, hein. Non, on peut pas demander en faveur de forcer le truc. Dommage. Bon après s'il faut que je tue lui pour faire venir quelqu'un ou ouais, un autre qui pourrait potentiellement, bon, pas très utile.
ça se rebelle. Puis il va avoir 16 ans, ça y est, ils vont pouvoir se marier. Il faut que derrière l'assassinat marche, et c'est bon. On a préparé la succession. On va choisir une autre ambition, forger une lignée, se faire un ami, on va essayer ça. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Gagner 15 guerres extérieures? Non, c'est dur. Régner en paix pendant 30 ans, assassiner ou exécuter 30 personnes. Régner en paix 30 ans, ça va être dur. Construire 10 cités, 10 châteaux, 10 temples. Enfin, c'est un d'entre eux, hein. On peut essayer de créer. Qu'est-ce qui coûte le moins cher dans tout ça? Faut pouvoir aller faire les 10. Hein. Une sainte a trépassé. Très bien. Ouais, on va essayer de faire 10 cités, allez. On accepte. Donc, un mari de grande ville et notre roi se fiance. Mais t'es con, toi, c'est quelqu'un de ma famille. C'est sûr que non, je vais pas faire ça. Ouais, alors ça m'aurait permis de récupérer le comté de. Potentiellement le comté qui est là, mais non. Ah, s'ils font d'autres gosses, non, c'est bon. Ça va aller, quoi. Ça va aller. Bon, maintenant, il va falloir absolument tuer le roi. Hein. Oui, un petit cadeau, lui. L'argent coule à flot au comptoir de Mortain. Mes relations avec la famille marchande qui passait se sont dégradées pour leur donner une bonne leçon pour en faire sorte que le comptoir soit brûlé à la faveur d'une révolte populaire. Ouais, on va rassembler la foule. Je sais pas du tout si c'est intéressant ou pas de faire ça, mais pour le fun. On va le faire. On a un nouveau qui nous a rejoint. Lui aussi, j'aimerais bien l'influencer de façon positive. Hein, on va essayer. Les émissaires de Patricien vous ont soumis un pot de vin significatif dans l'histoire que vous aurez de votre influence pour épanier le comptoir. 100 pièces d'or. Ouh, je gagne 100 pièces d'or, ils en perdent 100... Non, après on perdra le comptoir, donc on va refuser quand même. On va refuser. Notre prince, la princesse. Oui, allez, vas-y, fais ça. Mon courtisan, il a demandé à rejoindre, mais non, reste là, toi, t'es plutôt sympa comme personnage. Bon allez, 155% quand même, là, mince. Ouais, bon, il vient en réclusion avec sa cour, d'accord, mais... La jumelle, qui est la région désignée de Normandie, porte comme surnom l'adultère. Bon. Chacun sa vie, hein. Et notre deuxième fils, Gérald... non, c'est pas notre deuxième fils, c'est notre neveu. Et puis c'est tout. C'est tout. Y a pas d'épouse de toute façon. Beau fils. Donc les deux vont nous faire rapidement un gamin. Pour moi la maladie n'est pas venue jusqu'à chez nous, donc les portes ne sont pas fermées. Notre nouveau chancelier, on va prendre lui. Catherine et le comte ouais, bon bah... Certes, c'est pas très bien ma sœur jumelle, mais bon, c'est ma sœur jumelle, donc je la protège quand même. Il faut retourner semer la discorde par contre.
Ah, bon, bah va falloir fermer les portes. Hein. On ferme les portes. Non, ça va, ça devrait s'arrêter. On peut pas un autre fils, du coup, j'imagine l'espionner. Non, on peut rien faire. Ah, je sème là, c'est bien, mais il fait pas assez quoi. Enfin, c'est pas les bonnes personnes. Ouais, j'aurais vraiment dû l'assassiner plus tôt, hein, mais... Ah, faut vraiment faire en sorte de l'influencer et de faire en sorte qu'il n'apprécie plus assez le roi, mais... Malheureusement... Après, il pourrait mourir, hein. Mais bon, ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise, ça dépend qui le remplace. Ouais, bah oui... Forcément... Accélérer un petit peu le passage du temps. La vie en réclusion n'est pas si mal. C'est pas faux, mais c'est quand même la merde. Ah oui, construire des cités, on avait dit. J'espère que je vais avoir de quoi en faire 10 surtout. Là, on a encore une nouvelle personne qu'on peut ramener. Ah bah il est mort l'autre visiblement, donc maintenant c'est lui. Genre, on va lui envoyer un petit cadeau. Et on va semer la Discord dans Paris. Je me suis pas trompé. Alors attendez. Le duc d'Hampshire. De jure, c'est tout ça. Ah, alors attendez. Et il veut ça? Ah bah oui, oui, oui. Tout à fait. Je confirme, c'est tout à fait légal comme affaire. Ça me va très très bien. Il a raison. Bon bah tu vas devenir mon maréchal, toi. Allez hop. Alors que le niveau de il était apporté à votre attention que les sous-sols contiennent un grand nombre de rats qui pourraient être attrapés et mangés. Et on va le faire. Ouais, donc j'ai raté complètement mon semage de Discord, hein, si je comprends bien. Ce n'était pas du tout là qu'il fallait aller. Le duc demande audience pour un nouveau vassal nouvellement nommé. J'ai jamais eu ces trucs-là avant, moi. C'est par rapport à ce que je fais, là, l'intrigue. On va le faire entrer. Faire entrer, on est content qu'il soit venu et voilà, ça se passe bien. Au cours de l'année, ma fille a passé beaucoup de temps en compagnie des membres d'un ordre monastique local. Elle passait de nombreuses heures par semaine à prier. Un beau jour, elle vient me voir, elle demande la permission de vouer sa vie au Christ. Très bien, si c'est ce qu'elle veut. Ma fille va devenir nonne, bah pourquoi pas. Un bruit soudain pousse à jeter un œil au vif. Vous arrivez à la réserve, je t'attends pour savoir Kundo en train de s'essuyer la bouche. Je peux devenir cannibale? Wow. Wow, wow, wow. On va pas le faire. Quand on va la virer, elle. Clairement. J'ai réussi à semer Discord entre... Ouais, mais non. C'est bien, hein. Malheureusement, non. Oh non, pas notre jumelle. Aujourd'hui, on marchait alors qu'on était enfermé. Mais bon, j'ai bien pas demandé en prendre son bol plein de pièces de monnaie à la direction de la taverne pour acheter la boisson. Peut-être que l'humanité n'est pas aimable après tout. On va devenir anxieux, tiens. Allez, hop. On peut pas se suicider en étant anxieux, faut être dépressif.
Ouais, trop de domaines. Oh, mais arrêtez de vouloir des trucs, vous. Moi, je suis moins, bien moins apprécié que ça. Juste parce que... Zèle, envie, hérétique. Qui est hérétique? Moi? C'est eux, les hérétiques. Ah oui, d'accord, ils me considèrent comme un hérétique. Oh, oh. Oh, le succès d'assassinat, quoi. La cité de Donge. Ça m'appartient, la cité de Donge. Ah bah oui, 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 bah, c'est normal. Ceci explique cela. Tout à fait. Il faut forger une alliance, c'est bien. Bon, ce serait bien de pouvoir l'assassiner, lui, quand même, hein. Mais c'est Paris ou pas, ça? Fait une deuxième fois, j'aurais pu sur Paris. Maître espion. À Paris. Ah ouais, d'accord, il se mettait au-dessus, mais en fait, il est bien à Paris. Ah, ça y est. Il y aurait une tentative d'assassinat sur le roi de France. Victoire! Nous avons soigné pour tuer le roi, rempli sa mission. S'il veut avoir la vie sauve, il devra emporter ce secret dans sa tombe. Et donc, notre fille est devenue reine de France. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un enfant, tous les deux. Ah, j'aimerais vraiment pouvoir la jouer, hein. Le saint local Roland était une inspiration à bien des égards. J'aimerais pouvoir vivre en accord avec ses principes. Dernièrement, j'ai longuement invité son tombeau à écouter les récits de ses miracles. Je vais devenir chaste. On aimerait être comme lui, on va dire qu'on aimerait être comme lui. Ouais, on a plus ou moins réussi notre façon, hein, vu que le mariage est matrilinéaire. S'il y a un enfant qui naît, bon, par contre, faut absolument pouvoir le jouer derrière. Hein. Reno propose que nous aurions davantage de troupes pour renforcer la compagnie, on va accepter. Bah, lui il est pas très bien. Lui par contre il est bien. Et la princesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est pas mal pour ça. Hop, érudition. Des bandits s'en sont pris à moi alors que j'en ai sur un possible complot à Paris. Il a eu une blessure. Non, c'est plus la peine de faire des complots à Paris. Reviens là. Toi, refais de l'intérêt politique. Toi, là. Mon neveu, avec elle, chef de révolte. Ouais, vas-y, si tu veux. Reconnaître les vertus et les talents que possèdent les uns et les autres, je suis béni d'avoir comme chapelain un pur enseignant. On peut le récompenser. Oh là là, le bordel. Pourquoi elle se cache? Ah, ça y est, elle est enceinte. Notre fille est enceinte. Le roi de France a été excommunié. Il se passe tellement d'événements. Le duc de Bretagne a usurpé le titre de cité de Donge qui appartenait jusqu'alors à Gottfried. Ben, c'est très bien, j'imagine. C'est très très bien. Roland a terminé sa formation, ça s'est pas très bien passé. Oh là, en plus, il est pas terrible. Hein. Ma demi-sœur avec lui, oh, si tu veux. Ouais, putain, j'ai vraiment pas envie de le jouer, lui. Hein. Oh lolololololo. Ouais, bon, on va voir ce qui va se passer, hein.
puis sa femme, elle est nulle. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette fin d'épisode. On va voir ce qui se passe. Hop là, juste... on a un nouveau titre. Qui ne me concerne pas. On a deux nouveaux titres, même. Tac. Alors, ça c'est ouf, c'est là. On va faire ça, on va faire ça. Et ensuite, on a eu ça. C'est là-dedans. C'est là. C'est là, voilà. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de la lignée, on est passé à 3 sur 10. Ok. Bon, on va voir si on réussit, hein. Je promets rien, mais... On va construire une cité là. On va essayer de le faire, au pire. Bah écoutez, on aura fait des cités un peu partout, hein. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cet épisode. On a commencé à placer un pion. Reste à voir derrière ce qu'il va donner, parce que ouais, pour moi c'est une fille. Gisèle Fitz-Yolanda. Ah ouais, mais non, enfin si tu commences à nous faire des gamins bâtards, putain, ça va pas le faire par contre. Elle est anxieuse. Oui, 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 oui. Ouais, c'est pas terrible tout ça, hein. C'est pas terrible, terrible. Bon, allez, on se dit ça au prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.